Bonsoir et bienvenue pour la suite de Pokémon Heart Gold pour les amis du stream qui n'étaient pas là lorsque ça s'est passé, ainsi que les différents viewers sur YouTube. On a eu un contretemps monstrueux, je vous explique. Il y a deux jours, j'ai fait un react et lorsque j'ai voulu passer sur Pokémon, en fait, dès que tu vas sur Desmume, je vous montre, il y a ici un truc file et t'as save state qui consiste à sauvegarder et puis load state qui consiste à récupérer la sauvegarde. Et en fait, la dernière fois, quand j'avais lancé le jeu, au lieu de faire load state et de récupérer ma sauvegarde qui était save 1 ici, d'ailleurs vous le voyez modifié à 1h36, j'ai fait save state, ce qui fait que j'ai écrasé ma précédente sauvegarde et qu'elle n'était plus viable, plus récupérable. C'était la merde! C'était la merde. Sauf que là, mon modérateur est entré en jeu, Monigno, et de son côté, a pris la save que je lui ai envoyée, la même save random, ok, celle à laquelle je jouais, donc voilà. Et à partir de là, il m'a avancé jusqu'à exactement le même endroit. Je venais de sortir de cette arène et de récupérer la CS Vol, m'a fait la même équipe, exactement la même équipe. Regardez, Tétard, enfin Tartare, enfin Tétard, pardon, niveau 29, Scarino 28, Ferrisson 28, Nostanfer 31, et en plus de ça, avec les mêmes attaques quasiment, à une ou deux différences près. Par exemple, Vampirisme, ici je l'avais pas, mais bon, c'est pas dramatique. Lui, il a les mêmes attaques, lui aussi, bref. Au global, il a sauvé la save, parce que sans ça, j'allais arrêter totalement le let's play. Voilà. Il m'a dit qu'il a également glissé quelques easter eggs dans la save, donc je ne sais pas ce qu'il a fait, peut-être dans le PC ou quoi. Mais voilà, je crois que j'ai la vitesse de jeu ou quoi à retoucher, donc on va vite faire dans les options. Mais au global, il a sauvé la save, donc merci à Monigno, et grosse dédicace à lui dans le chat. Voilà, remerciez-le, parce que sans lui, on n'aurait pas continué. Hop, on n'aurait pas continué, j'aurais sans doute arrêté. Je tiens à le dire. J'ai pas remis Balombre, au calme, je vais remettre. Hop, l'effet de repousse de disciple. Donc du coup, dans le sac, j'ai aussi à peu près les mêmes choses, juste, je vais jeter certains trucs, parce que là, par exemple, regardez, j'ai 991 anti-para, bon... On va en jeter 989, quoi, parce qu'on va pas non plus profiter de tout ça. S'il est remonté aussi vite, c'est aussi en partie parce qu'il avait un petit peu de... Hein, bah les rappels, de toute façon, on les utilise pas, donc on va tous les jeter. S'il est remonté aussi vite, c'est aussi parce qu'il a utilisé quelques cheat codes, donc y a pas de souci. On récupère les mêmes Pokémon, les mêmes trucs. J'avais pas de l'MME, donc pareil, regarde, je les jette. On n'est pas un gamin, tu vois, on essaye, j'avais pas d'antigel, j'avais pas d'eau fraîche, regarde, hop, on jette les fraîches également. Hop là, on essaye de refaire ça bien, tu vois. Donc on va aller voir dans le PC déjà, c'est un petit easter egg. Monigno a craqué, ouais, il a sauvé le truc. Hop là, regarde, j'avais pas d'antigel, hop, ni d'antibrûle. Je jette les deux, ensuite on regarde le PC vite fait, et puis ensuite on retourne en arrière pour aller aider le Pharamp, tout simplement. Tout simplement. Je voulais laisser quelques objets, non mais t'as bien fait. Allez, let's go. Alors, ouvre tes Pokémon, t'as un Pokémon en trop. Non, j'ai un Pokémon en moins, il y a Tarinorm que j'ai pas pu récupérer. Donc j'avais Tarinorm et j'ai pas pu le récupérer. Alors, il y a Ninupio, Shaglam, Ariyama et Tourvol. Ouais, c'est vrai, il m'a même mis les PC... Les... Putain, mais même ceux que j'avais capturés, ils sont... Ah, attends. The Binal, De Chilio. Ah, il y a même les blazes et tout. Et il y a un œuf. Est-ce que c'est ça, l'easter egg? Est-ce que l'easter egg, c'est l'œuf? Je vais le prendre avec moi parce que j'étais pas censé avoir un œuf, mais allons-y, on va voir. Non, c'est pas ça l'easter egg. Ok. Je demande. Et hop, je dépose l'œuf et on repart. Hop, on va continuer l'histoire tranquillement. C'est dans le PC. Ah, mais je suis dans le PC là, non? J'ai raté un truc. Un objet, peut-être. Qu'est-ce que j'ai raté? Quel est l'easter egg, monsieur? Ah, j'ai un Pokémon qui s'appelle Nassim. Ah, bah oui, bah si c'était ça, ça va, j'attendais la pire. Hop, regarde. Tac, déposé, hop, cousin. Ah, attends. Je crois que j'ai vu. Il y a une deuxième page pleine. Attends. Attends, pas déposé, hop. Hop, je vais faire juste. Easter egg déplacé, hop. Ça, c'est un easter egg, ça. Karmakaya, The Binal, Zaknani, je suis Elector, moi. Carapou, je suis mort, c'est tous les modos, ils ont un Pokémon niveau 100. Ah, les modos. Il s'est mis un gros Castorno niveau 100. Après-midi, Isophilou, Cloporte, NA2S. Ça me fume. Bah voilà, regardez, j'ai une team de modos niveau 100 dans le chat. Team de modos niveau 100. Si jamais il y a besoin, hein, à tout moment, il y a des possibilités.
Bon bah voilà, le petit easter egg. J'avais pas vu la deuxième truc. Dédicace à tous mes modos, ils sont là tout le temps. C'est mes frères, ça fait plaisir. Allez, on continue tranquille, hop. Alors, oh bah il a aussi pris déjà le truc, c'est parfait. Allez, on va aller tranquillement, hop. J'aurais dû mettre un œuf de Togepi, fuck l'œuf de Togepi, j'aime pas Togepi. Vraiment, je le dis, je n'aime pas Togepi. Ce Pokémon m'irrite. Je ne l'aime pas. Hop, allez, on va retourner en arrière. Attends, on va peut-être apprendre vol à Nostanfer avant. On va apprendre vol, et même si je rate 2-3 nageurs, là, à la rigueur, ça me permet de retourner plus vite. Vol et Ballombre aussi. Hop, vol. Vol, ça tape en physique, et Nostanfer, je sais pas, il tape en quoi, mais bon, on va lui apprendre vol, de toute façon, c'est le seul qui peut le faire, donc... Je pense que peut-être vol à la place de tranchère. Il tape en physique, Nostanfer, donc on va prendre vol à la place de tranchère. Ou à la place de cruel. Ouais, ça a du crit à la rigueur, donc à la place de cruel, je pense. À la place de cruel. Je voulais recapturer même les morts. Non, mais les morts, là, ça aurait été abusé. Y a pas besoin. Hop là. Et là, on va prendre Ballombre à l'ami Nostanfer. Il me semble que c'est lui qui l'avait. Hop là, Ballombre, c'était lui qui l'avait. On va le prendre à place de Vampirisme, qui est une attaque un peu lasdeg, hein, on est d'accord. Ah, il avait morsure, je crois, sinon, à la base Nostanfer. Il me semble qu'il avait morsure. Bon, c'est pas grave. Vol, let's go. On retourne en arrière, on retourne à Olyville. C'est parti. Et au sud de la ville, je vais pouvoir faire une capture, je crois, si je dis pas de bêtises. Avant de ramener un truc pour Faramp, au sud de la ville, ici, je pense que c'est une nouvelle zone, je peux faire une capture. Donc on va envoyer un petit coup de pêche, là. On va envoyer un petit coup de pêche, les amis. Hop, Super Canne. Ah, il l'a pas récupéré, la Super Canne. Je sais plus où est-ce qu'elle est, la Super Canne. On va utiliser la canne normale, alors. C'est parti. Ah, je peux pas ici. Ok, dommage. Dommage. Je pensais qu'on pouvait ici, mais on peut pas. Hop, hop, hop. C'est Hector, ton Pokémon favori? Non, pas spécialement. Je pense qu'il l'a pris parce qu'il me ressemble. Vous pensez que j'ai une tête d'Elector? T'es juste mal placé? Ok, bah je vais voir alors. Hop, je reverrai après. Tu flex sur le dos d'Espoir. Espoir, le monstre. L'immense Espoir. Bonjour, cousine. Ah, merci Kamel Ben, mon gars. Ah, on est là, hein. Et voilà! Regardez! Oh là là, l'animation! L'animation! C'est du Nuzlocke. C'est random Nuzlocke, les amis. Ça y est, elle s'est cassée. Donc là, maintenant, on va pouvoir aller faire l'arène. On va pouvoir aller faire l'arène tranquille. On se met bien. Hop là. Let's go. Bah, la différence entre la super canne et la canne normale, c'est la qualité des Pokémon que tu peux avoir. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Oh, bah, oh, bah. Ah, le parc safari. Ça y est, le parc safari est ouvert. On passera un moment. On ira faire coucou. Ah, bah, le endgame, je vais faire les 16 arènes et les 2 ligues, et c'est tout, hein, je pense. Hein. Genre, capturer les légendaires et tout, je l'ai déjà fait, donc c'est pas. Je pense pas le refaire. C'est pas super intéressant. On va d'abord essayer de se taper avec les mecs, mais le championnat, le mec qui me casse la gueule. Merci Oussama pour le resub. Troll de streamer, non malheureusement je pense pas le faire. Vas-y, attends, on va voir. Attends. Y'a qu'une ligue? Ah ok. Oh, ils veulent pas se bagarrer? Ok. Parce que là, je pense que... En fait, j'ai le pressentiment que je crois que ces Pokémon sont niveau 33-34, et s'ils sont 33-34, j'ai que Nostanfer niveau 31. Sachant qu'il canne si je les touche. Enfin, il canne si je meurs, pardon. Il canne si je meurs, bon, vous avez compris. 35? Ouais, je pense que je me fais baiser. Faut que j'aille me soigner... Enfin, faut que j'aille me XP un peu. Y'a où je pourrais m'XP, là? Est-ce qu'il y a le bateau, à la rigueur? Est-ce que le bateau au sud, là? Là, ici. Y'a pas un bateau sur lequel je pourrais m'XP un petit peu, là, faire un peu la baguille? Non, c'est ici, on va juste à Kanto. Attends, je vais parler à lui. Bonjour, monsieur. Ah, il est en train d'effectuer la maintenance. Ok. Et pas tout de suite. Ok, bon, pas tout de suite, au calme.
Ok, bon, écoutez, on va aller faire la bagarre, hein. On va aller au chenal, on va aller choper les dresseurs que je n'ai pas baisés, déjà. Attends, juste, je regarde. Est-ce qu'il y a un endroit où aller en haut? Ah, il n'y a pas une zone de bagarre, ici, là? C'est pas un bail de zone de fight? Ah oui, bah oui, il fait la queue avant moi, lui. Oh là là. C'est là, je dois faire prendre 5-6 niveaux à tout le monde, là. Hein. Je dois faire prendre 5-6 niveaux à tout le monde. Allez, on accélère un peu. Ah, c'est bien, c'est bien. Regardez, c'est là où vous voyez que c'est la même save que tout à l'heure. On rencontre les mêmes Pokémon dans la même zone. C'est ici que j'allais choper Natu. Oh, y a pas l'animation des attaques? Y a pas l'animation des attaques? Attends, on va la remettre, l'animation des attaques. Option... animation combat, oui. Voilà, comme ça. Hop là, confirmé, c'est bon. Hop là. Je savais même pas qu'on pouvait jouer sans l'animation des attaques, pour être honnête. Mais c'est abrupt un peu de jouer sans l'animation des attaques. Oh, le honte folie qui casse les couilles. C'était pour aller plus vite. Ah, mais mec, t'as tous les droits. Au calme, petite bulle d'eau dans sa mère. Je pense qu'on va... Mais attends, 35. Mais tu sais que 35, là, faire prendre 6 niveaux alors que j'ai quasi plus de dresseurs à taper. Non, on espère que dans cette zone, j'ai oublié des mecs. Genre, lui, non, je l'ai fait déjà. Hop, que lui. Merci pour le recep, mon gars. Merci beaucoup. Rebienvenue dans la famille, merci du soutien, mec, ça fait chaud au cœur, sache-le. Super bonbon, non, je vais pas tricher. Déjà que j'ai pu rechoper ma save, on va pas abuser non plus. Oh. Vas-y, on va remettre Buldo, hein. Je pensais que t'allais one-shot le Buldo. Hop là. 610 XP, le Ponyta, c'est pas dégueu. Alors, meuf, ok, je l'ai fait aussi, elle. Alors, je vais tout côté droit, channel 41, nouvelle zone. Voilà, par exemple là, voilà. Nouvelle zone, nouvelle capture, les mecs. Nouvelle zone, les dudes. Oh mon dieu. Des grands Karchakrok comme ça, là. Hypnose. Let's go. Oh, le Karchakrok, il fait pas rigoler, mon gars. Si tes Pokémon sont déter, tu gagnes. Non, mais je vais pas tous les monter niveau 35, mais au moins 32-33, tu vois. Sacrifice dans sa mère. Ça fait pas si mal que ça, hein. Ça fait plus mal que... Oh, il a raté l'attaque. Vas-y, surf. Oh, ça va, ça fait mal, en fait. Tempête sable, bon, ça va. A priori, on va utiliser surf, ça devrait passer. Oh, il est vite. Oh, tourbi sable et tempête sable. Il fait mal. Mais comment ça, il est vite? Buldo? Ouf. J'ai eu peur pendant un instant. Tu sais, les Karchakrok, c'est trop capable de sortir une attaque qui va te baiser, même s'il a 8 niveaux en moins. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avoue, j'avais une petite coulante. Hop là, let's go. Léviator. Ouh, ouh, ouh. Léviator, ça fait mal. On va envoyer... cet enfer, hein. Ah. Petit Léviator niveau 19, mais c'est pas grave. On va envoyer vol. Petit vol. Après, je me prends encore la tempête de sable, je suis mort. C'est vrai que Léviator, il a une prestance, hein. Même niveau 19, il a l'air un peu... What? T'es pas combien il m'a enlevé avec Mania? What the fuck? Je pense avec Morsure, je le termine. Oh, mais même pas, je l'ai même pas terminé. Oh, bon, ça va. Ça fait un peu moins mal. Allez, balle ombre pour finir ce monsieur. Ça vient de commencer pour ceux qui demandent un Pokémon. Là, vous avez quasi rien raté. Hein. Là, j'XP juste en attendant d'aller faire l'arène. Tranquille. Tarinor. Oh, Tarinor. On va envoyer ce monsieur pour Tarinor. Est-ce qu'il y a une attaque combat? Il me semble qu'il y a une attaque combat. Oui, casse-brique, voilà. Let's go. On est bien, on est bien, on est bien. Hey, salut tout le monde. Bah, Rakos vient de récupérer un bannissement temporaire. Bah, faut lui envoyer, hein. Hop là. Doum 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 doum. Ok. Donc là, c'est une nouvelle zone. Donc si je croise un Pokémon, je peux le capturer. On va juste se heal vite fait, quand même. Ils m'ont fait quelques dégâts. Mais j'ai un peu d'argent, donc je peux me permettre de me heal. Hop là, quelques super popos. Voilà, au calme. On avance. Espoir et forceur vont carry. Non, mais vas-y,
J'en prends pas de risque, les mecs, laissez-moi XP gentiment. On XP gentiment. Bon, ça va, vous passez un bon week-end? Un bon vendredi, samedi? Vous êtes sorti un petit peu aujourd'hui vu qu'il faisait beau? Vous avez fait quoi un peu? Vous avez fait quoi de beau? Racontez-moi. Racontez-moi tout. Ça m'intéresse. Ah. Parc Tête d'Or. Oh, Parc Tête d'Or, le roi du monde. Hein. Ça devait être un peu blindé. Hein. Il y a dû avoir quelques journalistes pour dire gna gna gna. Magnézone. Ah, c'est l'occasion d'envoyer. Here we go. Ton live me fait une pause dans mes révisions. Ah ouais, ça révise sale. On décuve. Mes pauvres. Y'a des mecs qui se la sont donnés. L'OL a gagné donc tout va bien. Ouais, c'est vrai que quand l'immense Olympique Lyonnais gagne, les cœurs sont hauts. Les cœurs sont très hauts. Hypé pour les remakes? Ouais, ouais, moi les remakes, ça me hype énorme. Oh là là, Ultrason, Sonic Boom. Oh, le kit infâme du Magnézone. Poncer ma partie FM, ça fait quelques temps là que j'ai pas poncé une partie FM, moi. Très très cool, FM. L'achat de la Switch est donc prévu. Bah, je vais d'abord voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un émulateur de Switch qui fonctionne bien. S'il y a un émulateur de Switch qui fonctionne bien, bon, bah, peut-être qu'on prendra ça. Et s'il n'y a pas, bah, on achètera une Switch. Hein, pour des raisons professionnelles. Ça me dérange pas. Ah ouais, je viens de commencer. Hop. Oh, ça va, il y a de quoi XP dans le coin. Aknani, tu connais. Aknani le radin, si on peut éviter de payer. On le fait, hein. On le fait, mon gars. Tétarte. Attends. Résumé. Oh là là là. Oh là 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 là. Allez, sacrifice pour ce monsieur. Oh, j'ai raté l'attaque. Juste haut. Non, mais je vérifiais. Moi, je suis un rat, hein. Attends, des gros danse-pluie. Mais il va rater 3 fois d'affilée son attaque ou pas? Voilà, démarre-le sa mère. J'avais plaquage en plus. Avec plaquage, je pensais que ça me mettrait bien, tu vois. SO, les mecs du chat. Ouais, vraiment. Les mecs du chat qui ont fait les forceurs sur des vannes sur la Somalie tout à l'heure. Oh la honte. Honte à eux. Attends, il est en train de me démarrer là, le tétart. Ah non, merde. Je lui restaure ses PV avec des attaques hauts. Attends, on va faire hypnose. Mais il rate des attaques. Mais je vais me faire démarrer par un tétard qui a 7 niveaux de moins. Je vais me faire démarrer, gros. Je suis en train de me faire démarrer. Yuzu, les limitations fonctionnent de mieux en mieux et t'as certainement un PC apte à le faire tourner. Par contre, faudra attendre un peu pour que le jeu soit petit dessus, d'accord. Bah, pour choper le jeu à sa sortie, j'achèterai sûrement une Switch. Ça me dérange pas. C'est juste que moi, je suis plus trop jeu gaming, console, tout ça, machin, tu vois. En vrai, il doit y avoir des trucs vraiment cool que je rate, tu vois. Je pense. Zach doit rater des vrais masterclass. Mais moi, tu vois, faire des petits jeux solo comme ça en stream à la Pokémon, c'est vraiment chill. J'en ferai d'autres dès qu'il y en aura un qui me chauffera. J'ai eu Kamel en ce moment, il faisait Zelda, je crois. Oui, we'll see, hein. Oh, mais en fait, j'ai raté plein de dresseurs. Hein. Oh, bah, Posipi, super. Blanc 2 de prévu? Non, pas spécialement. Peut-être à un moment, mais pas tout de suite. Pas T-Suite. Il me semble que Sardosh, lui, il jouait sur un émulateur, non? Je crois que Sardosh, il jouait sur un émulateur, si je dis pas de bêtises. Et que ça fonctionnait pas trop mal pour lui. Hop, alors un dresseur à aller démarrer ici. Coucou. Doulou doulou doum. Doum. Doulou doum. Noir et blanc 2. Mais il y a tellement de gens qui m'ont dit que noir et blanc 2 c'était le feu. Alors que moi déjà j'avais kiffé noir et blanc tout court. J'avais kiffé noir et blanc tout court. Il y avait des gens, ils aimaient pas noir et blanc, mais. Le Pokémon électrique était là. Ah ouais, mais c'est vrai que je. Ah mais je suis con. J'avais pas été attentif. En gros, je crois que c'est dans une zone que je pouvais encore capturer, donc j'aurais dû capturer Posipi. Mais Posipi et Negapi, ça pue un peu du cul, non? Je crois que Posipi et Negapi, c'est un peu naze, non? Alors, bah, ça se trouve, je me trompe, hein. Certains vont me dire que ça se trouve, ils sont trop forts, mais... J'ai esquivé masse dresseur. Ah ouais, t'as esquivé masse dresseur. Après, là, c'est des dresseurs du... Là, j'étais pas passé par ce coin, donc c'est calme. Noir et blanc, j'avais bien aimé, moi. C'est bof, ça pue du cul, Posipi et Negapi. Ouais, bon, ça va, alors, tu peux me rassurer. Hop là, let's go.
Posipi et Negapi, ça pue un peu, ouais. Bon, bah, pas de chance, hein. Hop là. Bonjour, madame. Coucou. Allez, viens de bagarrer. Viens de bagarrer, connasse. Oh, Terral. On passe BMS niveau 31 et on commence à envisager peut-être l'arène. Enfin, avant d'envisager l'arène, on montrera aussi les autres niveaux 30, 31 et on est bien. Si tu tues un Pokémon contre un dessin, je peux plus le capturer. Bah, si je le tue, je peux plus utiliser le mien en fait. Let's go. Ouais, le jeu est sombre parce qu'il est 23h, il est adapté à l'heure. Suicune. Attends, il m'a envoyé Suicune là, c'est pas une blague. Regardez. Je me mange Suicune dans la gueule, les mecs. Oh là là. Un gros Suicune qui me met la pression. Allez, casse briques dans la merde de Suicune. Let's go. Gros buldo. On est bien. Quel flow Suicune il a. Il a du flow, il a du flow. Moi j'aime bien. Hop, casse brique. Boum. Let's go. They win. Doom, 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 doom. De l'XP. C'est vrai que Suicune, que ce soit dans... Comment ça s'appelle ? Suicune, que ce soit dans le bruit. Enfin, tu sais, le bruit quand il apparaît. Ou la posture un peu, il est mystique. Genre, je trouve Suicune, vraiment, c'est un des Pokémon avec le plus de flow, mon gars. Genre, tu sais, tu sens que t'es face à un légendaire, quoi. Ils l'ont vraiment bien fait, quoi. Genre, c'est... Il en impose, je trouve. Hop là. Ah, c'est bon. J'ai pas de potion, c'est dommage. Mais on va envoyer Scarino. Oh oui, oui, go avant. J'ai pas de top 3 de Pokémon préférés, mais Suicune, Rayquaza... Il y a eu quand même eu des masterclass dans les légendaires, hein. Genre des légendaires vraiment très réussis. Oh, Ramboum. Ramboum avec Brouhaha, ça tape fort, hein. Faut que je fasse attention. Raikou supérieur à Suicune. Ah, oh, je suis pas d'accord du tout, mon gars. Il y en a qui trouvent que Raikou, c'est supérieur à Suicune. Moi, je trouve vraiment que Suicune, dans le trio des... Genre déjà, Raikou, vraiment, on dirait un chien galeux, frère. Genre, je trouve vraiment, il a pas de flow, Raikou. Je le trouve moche. Objectivement, je le trouve trop moche. Et Entei, il a un petit côté épique, je te dirais, mais bon, c'est pas... Parce que dire, c'est pas la folie, je trouve. Ok, on est vers Olivier. Enfin, on est vers Olivier. On est vers le cinquième badge. Hein, on se balade un peu dans le coin, on regarde un peu. Les trois chiens sont beaux. Ben, moi, je les trouve pas les trois beaux. J'en trouve certains moins beaux que d'autres. Crocolarme, je suis mort. Je prends ce genre d'attaque. Suicune le plus stylé des trois. Ben voilà, voilà, c'est ça que je vais entendre. Des gens qui vont dans mon sens. Raikou, on dirait un tigre à dents de sabre trisomique. Raikou, vraiment, on dirait un débile. C'est le même des trois dragons avec deux dragons et un troisième qui tire la langue. Ben ça, c'est Raikou, ça. Le troisième qui tire la langue, c'est Raikou, mon gars. Tu peux pêcher dans la ville? Est-ce que j'ai déjà pêché dans la ville? Si je l'ai pas fait, je crois que je peux peut-être pêcher dans la ville, ouais. Enfin, je peux peut-être le faire, mais je suis pas sûr que si je l'avais fait, déjà, ou pas. Ah, dans les paramètres VX pour augmenter les graphismes, je sais pas c'est quoi ton truc, frérot. Et si c'est trop compliqué, alors oublie, je suis vraiment un camel slip, moi. Ouais, Raikou, on est d'accord, je pense, pour dire que c'est le plus éclaté des trois. Le plus éclaté des trois, vraiment. Je suis ok avec cette analyse. Putain, mais y'a v'là les dresseurs, en fait, hein. Y'a vraiment v'là les dresseurs, c'est énervé. Je pense qu'on va aller pêcher dans la ville, hein. Je crois que je l'avais pas fait, hein. Enfin, Kranidos, c'est pas Roche. Je pense qu'il me casse le cul, Kranidos, là. Enfin, je fais roue de feu pour voir. Sinon, on peut envoyer... J'ai envoyé l'autre. Ouais. Oh, midlife, quand même, pour un truc pas super efficace, c'est pas mal. Alors, je fais View, Magnification, Filter. Ok, attends. View, Magnification, Filter. Et je fais quel filtre, alors, du coup, ça va? Vas-y, dis-moi, et je le fais en rapide. Ça me dérange pas. Si c'est rapide, on écoute. 125 bases d'attaque Kranido, ça ouais, ça fait très mal. Le dernier? Ok, attends. On va essayer, on va voir si Oussama dit vrai ou pas. Hop, attends. 423. Hop là. Chuchemur, allez, envoie Chuchemur. Alors j'accélère pour Chuchemur parce que c'est pas super intéressant. Hop. Et on a battu Nageur. Alors du coup, View, Magnification Filter, le dernier.
C'est un peu plus sympa, mais c'est bizarre. Vous en pensez quoi? Ah ouais, ça... Ah non, c'est un peu bizarre. Ah ouais, c'est un peu bizarre. Attends, HQ machin? Attends, HQ4X. Oh, mais c'est dégueulasse comme ça, frère. Ça fait mal aux yeux. Oh, c'est cartoon, frère. Alors, je suis désolé, les gars. Magnification filter. Normal, voilà. Je suis mort, c'est trop bizarre. J'ai trouvé ça super chelou. Oh là là, il m'a paralysé, la lourdeur. Allez, vive attaque dans sa mère. Et on passe à autre chose. Je pense qu'on va rester sur du normal, les mecs. Hein. Essaye-les tous pour la blague. Attends, on va regarder. Je vais pas tous les faire, mais genre ça. Oh, c'est moche. Attends, on va essayer un autre truc. On va essayer genre... Ouais, ils se ressemblent tous, en fait. Genre, ils sont tous un peu pareils. Alors, reste en normal, mon gars. Hop, voilà. C'est bon. Hop, petit anti-para pour mon ami... pour mon ami Ferisson. Et on continue. Et on continue. Désolé, c'est pas le kiff de tous. Non, mais t'excuses pas, frérot. T'as fait une... T'as suggéré. Bon, c'est pas au goût de tous, mais c'est tout. C'est pas grave. Y a pas mort d'homme. Roue de feu pour Monsieur Farfuret. Ouh là là, le hâte qui fait peur. On a eu des bonnes blagues cet après-midi. Il y a eu des blagues excellentes. Coldorak sous-marée, je vais essayer de l'organiser pendant la semaine. Là, il m'a DM et tout. Je l'ai vu. Je vais jouer avec un joueur de foot. Et ouais, ça y est. Hein. C'est pas que les autres qui vont jouer avec Maxime Lopez, tout ça, machin. Zach rentre dans le game des joueurs de foot. Ça va le ramener en League Cold War, mon gars. On va hurler comme des chiens. Ah, est-ce qu'il y a des mecs? Merci Hannibal pour le resub, c'en est où dans le local? J'en visite encore cette semaine. Et sinon, je vais peut-être prendre le troisième. Moi, je l'aimais beaucoup, en tout cas, le troisième. Si vous avez vu les vidéos des locaux, le troisième me plaisait. Merci, en tout cas, Hannibal. Oh, il casse les couilles avec ses paralysies de merde. Local de l'abonné. Le local de l'abonné, je le trouvais vénère, moi. T'as pas des repousses? Non, mais ça me dérange pas, parce qu'en fait, je dois XP, donc foutu pour foutu. Autant les faire, tu vois. Hop là, c'est cool. Sac. Oh là là. Go faire une soirée là-bas. Grosse soirée au local. BP Chabé au rang, non. Ah, bah j'ai rien pour le déparalyser à l'heure actuelle. Oh, c'est pas grave, en fait, je veux paralyser, hein. Merde. Hop là. Oh, les posipis trop relous. Attends, là, je vais fuir. On va monter Scarino niveau 30. Et une fois qu'on aura Scarino niveau 30, on ira faire l'arène. On aura 2,31 et 1,30. Ça peut être suffisant. Je crois qu'on a déjà tapé, ouais. Ok. Fais gaffe à Valtou, le Pokémon. Allez, à Valtou, il rend dingue. Aval tour en taré. Attends, je sais où je vais aller. Il y a une zone, les mecs. Fais monter Nessie, je le montrerai pas, frère. Attends, juste, on va voler. On va aller juste là. Oublie pas de pêcher, t'inquiète. Je vais pêcher à Grisia, je crois que je l'avais pas déjà fait. On va regarder un truc. Il empoisonne, il esquive tout. Tu sais, tu connais les Pokémon avec un kit toxique qui rend malade mental. Ouais, j'ai pas passé le crémeux, c'est du random, donc ça veut dire que les champions peuvent avoir des champions de fou comme... Enfin, les dressants peuvent avoir des champions de... Enfin, des Pokémon de fou comme de la grosse merde. C'est aléatoire. Alors, canne. Je crois que j'avais pas pêché ici, donc on va le faire. Je sais plus où on chope la super canne, d'ailleurs. Let's go. Je sais pas s'il y a eu un don. Je sais que ça s'affiche pas sur la scène Pokémon, mais j'ai cru entendre peut-être un don. Fionn. C'est bon ou c'est de la merde? C'est bon ou c'est naze à chier? C'est nul? Semi-légendaire? C'est que je l'ai jamais vu de ma vie. Nul? Nul? Ah ouais, c'est nul, c'est légendaire. Légendaire, mais claqué. Ok. Et vu mes balls, de toute façon, super, je l'ai fait avec deux balls, allez hop. Attends, bah tu sais quoi? J'ai une speedball? Allez, vas-y, on va voir. 82 base. Vas-y, on va voir speedball comme ça. Allez. Ouais, oh, dommage. On va lancer une Honor Ball pour l'honorer. Et sinon après là on va faire quelques courses parce que j'ai pas grand chose. Allez.
Bon, dommage. Dommage, Fionn. Allez, casse-brique dans ta mère, Fionn. Au revoir, les légendaires. Et ramène des sous. Enfin, ramène des sous, ramène de l'XP, pardon. On va aller faire 2-3 courses, là, parce que... J'ai pas grand-chose. Alors, hop, 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 hop. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai besoin de médicaments. Tu vas me donner de la super popo. Je vais t'en prendre une vingtaine, voilà, une vingtaine de super popos, calme. Hop, on va prendre 5 potions normales, ça peut toujours servir. On va prendre quelques total soins. Genre une dizaine. Et faudra acheter des bols. Allez, c'est parti. Alors. Il y a quand même un frérot qui me demande s'il y a un let's play Pokémon en vue alors que je suis déjà là sur Pokémon là. Ah, les mecs, vous abusez. Franzac, tu vas jouer un Pokémon? Ouais, bah j'y suis là, les mecs. Hein. Je suis dessus là. Quand même. Ok, y'a rien d'intéressant là. Hop. On va descendre. On va aller dans la grotte. Grotte nouvelle zone. Hein. Voilà, comme ça, moi c'est dit. Est-ce qu'il y a des trucs à faire ici? Wesh, cousine. Parce que là, je voulais XP. Hop là, monte les escaliers, c'est tout droit. C'est une nouvelle zone ici, est-ce qu'il y a de quoi... Il y a de quoi XP, il y a de quoi faire... Il y a un Pokémon qui apparaît ici ou pas? Non, non, il y a rien, ok. Je regarde. Ah, route 47, ah bah là, il y a des... Ouais, là, il y a des dresseurs, là, je le sais. Je vais en profiter, je fais un ou deux dresseurs et j'y vais. Ah oui, c'est vrai que... Ah ouais, j'ai plus de ball, t'as raison. T'as raison, je vais éviter d'aller dans les herbes. C'est trop con. J'ai essayé d'esquiver masse combat au niveau des thunes. Ouais, ouais, non, mais pas de soucis, t'inquiète. T'inquiète, frérot, tu m'as rendu une copie très fidèle. Une copie très fidèle, mon gars. Là, là, je veux juste XP, voilà, les niveau 30, 31 vite fait, tu vois. Et être bien. Bon, tu m'envoies vraiment des Pokémon de merde. Hein. Oh la casse-brique. Oh, le champ mental qui va faire mal. Ouais, bon, ça va pas si mal que ça. Hop là. Let's go. Parfait. Hop, niveau 29, Mélofée. On va bientôt aller faire l'arène. C'est juste que l'arène, les mecs, la meuf est 35. Si je me pointe avec des Pokémon niveau 28, si j'en perds 2, je suis dans la merde. Vous comprenez pas, là, dans le PC, j'ai quasi rien de tangible, tu vois, donc je préfère être safe, je préfère être safe. Quitte à baiser des montagnards avec 10 niveaux de plus, tu vois. C'est aussi ça, le jeu. Coucou, cousine. Je suis obligé. Doum, 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 doum. Dans la vie, faut prendre des risques. Ah, mais ça veut tout et rien dire, ça. Ah, bah tiens, on revoit Fionn. On revoit Fionn. Bonjour, Fionn. Bonjour, Fionn. Coucou. Casse-brique. Il me manque un électrique et plante. Il me manque un psycho, un psy. Et un électrique, je dirais. Plante, c'est pas hyper utile. Même si c'est cool d'en avoir aussi. Au revoir, Fionn. Au revoir, au revoir. Latias, c'est sérieux? Oh là, Latias. On va envoyer Here We Go pour Latias. On va pas prendre de risques. Mmh. Ah ouais, c'est pas super efficace en fait. Attends, mais Latias va me casser les couilles. J'ai rien pour le contrer de manière efficace. C'est quoi qui... Espoir, c'est bien, mais il est aussi psy, donc il peut casser les couilles. Ballombre, ouais, ça peut lui faire mal, ouais. Même morsure. Morsure, ça peut lui faire mal, mais le problème, c'est que... Il est quand même psy, tu vois. Rune protect. Aïe, 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 aïe. On va continuer, on va continuer ça pour l'instant. Je vais voir. Draco souffle. Ça tente la pute. J'ai eu peur. Oh, la vie de ma mère, tient espoir. Allez, encaisse un Draco souffle. Crit para, frère. J'ai pris un crit et une para. Mais oh là 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 là, oh la saloperie, frère. Morsure. Oh, il fait un vœu. C'est quoi ce délire? Il va récupérer de la vie. Il va récupérer de la vie. Et je suis paralysé, je peux pas attaquer. C'est quoi le vœu là? Mais frère, c'est horrible. Attaque. Ouf.
Oh, franchement, je vais être honnête, j'ai eu chaud, frère. J'ai eu chaud. Voilà, ouais, je l'avoue. J'ai eu chaud. Je sais pas ce que veut ça faisait, là, mais le petit gamin, là, le petit chiard scout dégueulasse qui sort des latias, là, t'as deux doigts dans la prise électrique, mon gars. Horrible, sérieux. Putain. Ouais, ici, je suis sûr qu'il y a des Pokémon. Wesh, le Vioc. Bon, écoute. Je vais laisser ça pour après. On va prendre... Hop. On va prendre les deux. Putain, crit plus para, j'avoue que... Oh, j'ai vu ma vie défiler, mon gars. J'ai pas de bol. Ouais, ouais, je vais y aller. On va se heal, on va aller récupérer des balls. On va finir d'XP Escarino vite fait. Et ensuite, on va faire l'arène. C'est bon, au bout d'un moment, faut aussi avancer. Faut aussi avancer, mesdames et messieurs. Ah oui, attends. C'était pas lui, le mec qui donnait la super canne, là? Genre là, lui? C'est pas lui? Non, c'est pas lui, putain. J'ai oublié. Non, non, dans le PC, j'ai que des merdes. Dans le PC, j'ai que des coureurs zingueurs, mon gars. On va acheter... Ah bah tiens, j'ai des sous, je vais me permettre de prendre 10 hyper balls. Je vais prendre 10 hyper et 10 super, comme ça, hop. On aura fait un peu le café à ce niveau-là. Hop là. Je suis donc un couvreur zinguer. Non mais dans le PC, t'as compris, je parle pas des niveaux 100 malades mentaux là. On va prendre des antiparas, on va prendre quelques... Réveil, machin, ça va. Ouais, j'ai des total soins pour le reste. Je vais prendre un max repousse si jamais. Je vais en prendre 3, hop. Allez, let's go. Allez, let's go, hop. On va faire, hop, Scarino vite fait. Doum, 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 doum. Ah, attends. Y'a pas un... Attends. Non, je vais pas aller par là. Je vais remonter au-dessus de la ville. Je vais aller dans les herbes. Je crois qu'il y avait des Pokémon évolués qui ramenaient plus d'XP. Genre là. Voilà, ici. Coucou, route 39. Ok, attends. Alors ici. Oh, les problèmes. Oh, le chien trisomique. Oh, le chien trisomique. Faut que je fuis parce que là, il va baiser mon équipe, frère. Je vous jure, s'il me laissait pas fuir et qu'il me cassait la gueule, ça aurait été le plus grand retour de ma vie, frère. Genre, j'ai fait que dire que c'était un putain de chien trisomique débile mental, gros. Vraiment, c'est niveau 40, il fumait toute mon équipe, là. J'avais rien pour le contrer. Il aurait fui tout seul. Non, mais on sait jamais. Oh, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur, mon gars. Vraiment, pendant un instant, j'ai eu peur. Vraiment. Il t'a entendu mal parler. Hey, j'ai entendu la musique. Mon cœur, il y a eu un haut le cœur. J'ai fait, oh là, doucement, monsieur. Désolé. Je vais accélérer un poil. Histoire de, là, accélérer cette partie, 200. Ah, mais en fait, c'est pas très rapide, hein. Vaut mieux que j'aille dans l'eau, en fait. Oh, des mangriffes. Ça va ramener de l'XP, mangriffes. C'est un niveau. Avec le niveau 17. Oh, j'ai tellement mal parlé, mon gars. Ça a failli se retourner contre moi. Vénère, quand même. Hein. Combien d'XP? 400. Ouais, c'est pas dingue. Pas d'Evo, mangriffes. Ah, ok, my bad. My bad, mon mauvais, comme dirait l'autre. Attends, on va retourner dans l'eau, alors. Doum 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 doum. Hop, tac, coucou. Tat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 
crois que c'est encore actif, hein. No fake, hein. Je crois que c'est encore assez actif, hein. Genre, il y a moins de gens qu'à l'époque, hein. Il y a moins de gogoles qui vont courir dans des parcs pour des Léviators, tu vois, mais... Je crois qu'il y a full monde, hein, sur Pokémon... Dans Pokémon Go. Je crois que c'est assez actif, encore. Pokémon Go, juste au bled, on s'amuse bien entre nous. Ah ouais ? Au bled, ça joue à Pokémon Go ? Un peu un petit Pokémon gueule. Allez, niveau 30, c'est bon. Go à l'arène, maintenant. Ils sont tous niveau 30 minimum. On espère que ça suffise. Vraiment, si je me fais baiser ma mère... voilà, cette partie... Si le stream se coupe, faudra pas s'étonner. Hop là. Allez, let's go. Avant la frappe de Chine au port de la Villette, je croisais plein de darons faire des raids sur Pokémon. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Parle plus de SNK. Ouais, faut pas parler de SNK dans le chat là, s'il vous plaît. Zéro spoil, zéro rien, même pas de oh, la fin dinguerie ou quoi, j'en veux pas du tout. On va envoyer Nof cet enfer en premier. On va d'abord sauvegarder. Et là, donc, je fais save state as, bonne sauvegarde. Et je fais même save state as en retournant en arrière. Voilà, et en sauvegardant également ici. J'utilise mes deux sauvegardes, tu vois. Oh là là. Donc là, c'est du random. On peut tomber sur tout et rien. J'espère que je perds pas mon équipe. J'espère que je perds pas mon équipe. Là, je suis effrayé par ce combat. Oursaring. Ouais. Scarino lui démontrait bien sa mère, Scarino. Je vais faire un switch. Scarino ou BMS? BMS, il a sacrifice. Sacrifice ou Scarino? Allez, on va envoyer Scarino. Pour des gros casse-briques. Oh! Allez, Nessie, it's your job. Ouah, wow, mon gars! J'ai eu la peur de ma vie. Tant qu'un coup, un coup. Oui, Nessie, t'as tanké un coup, cousin. Merci. T'as rempli ton utilité. D'être d'un gros sac à foutre. Quoi, j'ai pas d'hyper potion, j'ai que des super. Oh putain, ça me prend deux rounds pour... Je m'en fous, hein, je heal. Feinte. Ah là, ça va me finir, je pense. Ah non, ça me finit pas, putain, Nessie est trop tanky, frère. Ah ouais, Nessie qui tank. Si ça le finit pas, là, j'envoie un switch. Au revoir Nessie, merci pour les travaux. Est-ce que je renvoie Forceur ou j'envoie BMS cette fois? Je pense que j'envoie BMS. Hein. BMS pour sacrifice. Hein. Casse-brique, je pense que ça fait peut-être plus mal. Vas-y, sacrifice, fuck it. Lui, il pourra mieux tanker, je pense. Démarre-lui sa mère. Let's go, ça fait mal. Pff, je perds 16 HP quand même. Hein. Tranche là. Attention, 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 stop, 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 stop. Ça va. Sacrifice, rate pas. Oh là là là. Nice. Let's go. Nessie, le roi du monde. Granipio, c'est... Pour espoir, ça. Ouais, c'est pour espoir, Granipio. Hop, coucou. C'est lui, son 35 ? Si c'est lui, son 35, je suis calme. Allez, tap. Oh, Granipio au niveau 35. Allez, come on. Oh, je vous cache pas, j'avais une coulante, mon gars. Bon, c'est pas fini, mais j'avais une de ces coulantes à l'idée de me tabasser. Polycombre, c'est quoi déjà Polycombre ? Polycombre, c'est pas un bail plan de ténèbres, un truc comme ça? C'est spectre. Ouais, bah on va garder espoir alors. Il me semble que c'était un bail comme ça. Ah, voilà, c'était cette horreur là. L'acier trempé ne rouille pas pour si peu. Ah bah là, t'as pas envoyé beaucoup d'acier, cousine. Hein. Morsure, ça devrait lui tabasser sa mère. Voilà, morsure. Ça, c'est le bruit que j'aime entendre. C'est un fantôme chelou, ouais, c'est un bout de plastique, quoi.
Oh, vraiment le Granipi au niveau 35, la magie du random qui arrive en faveur de Zach. La magie du random en faveur de Zach, les mecs. Allez, let's go. Allez, j'avoue, j'ai transpiré, les mecs. Hein. Champion. Champion, boys. Oh. Ouais, il va falloir que j'XP là. Il va falloir que j'XP là. Let's go. C'était 23, c'est quoi? Griffe acier, non? Bah, comme ça. Que de faire? Ah, bah oui. Alors, on gagne. On est bien. Maintenant, juste, je vais regarder vite fait avant d'aller me soigner mes différentes CT. Est-ce qu'il n'y a pas des CT intéressantes à apprendre? Je pense notamment, par exemple, Mitra Point. Est-ce que Mitra Point, ce serait pas bien pour le frérot BMS? Est-ce que le frérot BMS a un gros Mitra Point ou Scarino, tu vois? Et un gros Mitra Point. C'est bien, non? Genre là, je vois, par exemple, Sacrifice 80-80, là, 150-100. Ah, échoue s'il est... Ah ouais, s'il est touché avant de frapper. Ah ouais, merde, mais c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Oui, on va arrêter. Ouais, c'est naze, Mitra Point. Ok. Que de faire, Picor, atterrissage, demi-tour. En fait, j'ai rien d'intéressant. Ah, peut-être que de faire, mais bon, je vais regarder... Ouais, acier, 75 de précision, allez, on l'oublie. Ah ouais, 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 c'est à chier. Attends, juste, je vais regarder peut-être Scarino, je vais voir la vitesse de Scarino. Imaginons, Scarino, il est full rapide. S'il est full rapide, ça peut être intéressant. S'il est full rapide, attends. Scarino, résumé, 64 de vitesse. C'est de la merde, 64 de vitesse, non? Si c'est de la merde, 64 de vitesse... On va aller acheter de la protéine là où mes couilles en ski là. C'est correct. Ok. C'est correct, d'accord. Je vais voir. Je vais essayer peut-être d'apprendre à... Parce que Scarino là pour l'instant il a des attaques de merde, il a ténacité et un autre truc. Donc ce que je vais faire, c'est que Mitra Point, on va l'apprendre à Scarino. Voilà, on va l'apprendre à Scarino. Qui a de la vitesse. Hop. À la place d'une attaque de merde, et s'il faut l'oublier, on l'oubliera. Et genre ténacité, tu vois, à chier. Ou gros yeux, tu vois, c'est nul. Ténacité, hein. Alors, je pense, hein. Ah bah oui, il se concentre avant d'attaquer, en fait. Bah oui, mais c'est nul. En fait, il n'y a aucune chance que ça passe, quasiment. Ok, j'avais oublié. Ah oui, j'enlève Nessie aussi. Ouais. C'est bon, je l'ai pas appris. C'est bon. Pas besoin d'être en feu comme ça, là, les mecs. Alors déposer Nessie, merci pour les services. Hein. Merci pour les travaux monstrueux. But it's time to go, you know. Hop. Maintenant on va retirer un petit Pokémon. On va retirer un affreux qui sert à rien, style Ariyama. Hop. Dans l'équipe. Et on va retirer Nenupio aussi qui sert à rien dans l'équipe. On va prendre les deux affreux qui servent à rien, comme ça s'il faut tanker un coup, ils sont là. Par pitié, oh, je suis mort, il y a des mecs, par pitié, ils étaient en feu, frère, ils voulaient absolument pas que j'apprenne Mitra Point. Mais je peux comprendre, c'est vrai que ça avait l'air d'être de la belle merde. Hop là, allez, on fonce, on retourne dans l'atelier gros, hop, le safari c'est une zone, le safari, il y a plein de zones dans le safari, mais vas-y, fuck, je vais pas le faire. Je crois que c'est ici la suite de l'histoire, si j'ai pas de bêtises. Alors moi, je veux juste continuer la suite de l'histoire, là. Il me semble qu'ici, il y a un bail avec Rayquaza. Ah, c'est le safari, ici. Ouais, on va d'abord XP, on va profiter un peu. On va profiter du fait d'être sur une nouvelle zone, tu vois. Primplouf, c'est pas immonde. Un plouf, en vrai, c'est pas immonde, non? Je pense que c'est pas immonde. On va lui envoyer une hyper comme ça, juste pour voir. Comme ça, si je dois reroll, tu vois, après un plouf, c'est pas dégueu, je pense. On va essayer de le low un petit peu avant. Lui, je sais qu'il a Volvie, ouais, voilà, il a Volvie. C'est un starter, ouais, je sais que c'est un starter. Je sais que c'est l'évolution d'un starter. On va la baisser un peu. Oh, moi je lui enlève vraiment zéro dégâts, frère. Alors je vais accélérer. On va le vivre, hein, on va continuer. Hein.
On va la baisser jusque dans le rouge un peu, hop. Ou au moins dans le orange. Ouais, prends un plouf, c'est propre, hein. Pingoléon acier haut. Oh là là, acier haut. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Le truc de gunman. Ok, là il est assez low, mais je pourrais peut-être mettre étonnement pour essayer de le mettre dans le rouge, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Je vais d'abord essayer une hyperbole comme ça. Allez. Ah sa mère. Vous pensez que étonnement là ça. Allez, fuck it, je prends le risque. Allez, étonnement, le termine pas, juste mets-le dans le rouge. Parfait. Là, on échange, on envoie BMS. On fait bien, tu vois, hop, BMS, BMS, tu hypnose. Allez, Primplouf, il ronfle et il est dans le rouge. Une hyperbole dans sa mère et ça rentre à la maison. À la maison! Let's go! Bon, il est que niveau 12, mais voilà, s'il faut reroll, c'est intéressant. Un Pokémon haut un peu. Voilà, un peu musclé, quoi. Y a rien d'autre à choper là, non? Je peux me casser. Je peux me casser. Hop. Hop là. On va passer par là, grotte falaise. Je pense qu'il y a rien d'autre intéressant. Hein. Je crois que j'ai juste la bagarre là. La bagarre! On est bien avec Primplouf. Limite à un moment si j'ai un. Comment ça s'appelle? Limite à un moment si j'ai un multi-exp, je le prends dans mon équipe et je commence à l'XP. À l'XP direct. Balombre sur Tengalis, ça lui casse pas la gueule un bail comme ça? Aéropic, vas-y on va voir. Ninja dangereux, fais gaffe, ah ouais. Ah non c'est nul. Balombre, ok ok. C'est nul, c'est nul. Je prends ma leçon, je retire la leçon. On va voir Munja. Type plan de ténèbres. Ouais, ouais, je pensais que le spec, ça pouvait peut-être lui poser des problèmes. Let's go. Munja utilise l'ire-esprit. Waouh. Je suis subjugué. C'est quoi déjà comme effet Munja? Enfin, comme effet. Comme type. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il va se recasser la gueule et ça dégage Munja. Dès que j'ai entendu le super grave, enfin le super efficace, je fais ouais, ouais, c'est bon, ça dégage. Doum 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 doum. Allez, on continue à XP. Avec la connasse en bas qui a failli me faire peur avec son Latias de merde. Hop 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 hop. Ralenti queue. C'est quoi cette attaque? Une queue qui te ralentit. Hashtag beauf, j'en connais beaucoup des queues qui ralentissent. Promis plus jamais. Promis plus jamais. Nice. Là, il y a de l'XP. Là, il y a de l'XP à prendre. Morsure dans la mer de Flagados. Casse-brique. Non. Aéropique dans la mer de Flagados. On veut d'abord sortir Flagados. Ballon, c'était mieux, tu penses? Ok. Apparemment, morsure marchait bien aussi. Morsure marchait bien aussi. Ah. Ballombre, tu disais, du coup? C'est le mec. Je suis arrogant. Aéropic, ça rate pas. Au revoir, monsieur. Ça dégage. Vous savez, j'ai envie d'apprendre quoi, Ascarino? Mitra point. Vraiment, tout à l'heure, je pense à... Par pitié, Zach, ne lui apprends pas, je t'en supplie. N'apprends pas Mitra point. C'est du la merde. Ça me fumait. Oh! C'est mon premier. Non mais là c'est impossible à capturer ce truc là.
J'ai que 10 hyperboles en plus. Oh là 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 là. Ouais, je peux le capturer, hein. C'est quoi son type déjà? On va envoyer toutes les balles, hein. C'est quoi son type? Déjà, rappelez-moi. J'ai pas envie de faire des conneries, c'est normal. Ok. Je pense qu'il va tanker un peu, on va envoyer BMS, hein. Gravité. La gravité est intensifiée, attends. Punition. On va essayer, hein. On va le faire rompiche. On va mettre bulle d'eau pour voir, en espérant que ça tape pas trop fort. Pas trop fort, bulle d'eau. Voilà, parfait. Voilà, tu vois, coup de bulle d'eau, tranquillement. Voilà, encore un coup de bulle d'eau, après c'est hypnose. Tue-le pas, stop, stop. Ouf, parfait, nickel. Don naturel, la gravité est revenue normale. Hypnose, fais-le ronfler, là. Fais-le ronfler. Parfait. Let's go. Oh les gars, je pense pas que je l'aurai, mais... Sac, ball... Ah, j'ai 17 balls à peine. Vas-y, on va toutes les envoyer, hein. Franchement, on va toutes les envoyer. Vous savez très bien que ça va être impossible. Oh frère, y'a même pas une rotation. C'est même pas une rotation en mode « Ouah, il est low et sommeil, hein. » Zéro, hein. Oh là là, mon dieu. Il se réveille. Attends, hypnose, hein. Allez, redors, monsieur. On repart dans un long sommeil. Et on rentre dans la boule, monsieur. Par contre, je pense que même si je l'ai, je le capturerai pas. Enfin, je l'utiliserai pas. Je pense que ce serait trop facile avec lui dans l'équipe. Je pense que le reste, là... Le reste ne fonctionnera pas. Bon, il y a au moins eu une rotation, ça met un minimum d'espoir, mais bon, j'ai pas bossé. Enfin, j'avais pas prévu de croiser Arceus a priori, quoi. Tu perds ton temps. Ouais, mais on essaye, frérot. Si on se fait pas un petit peu de kiff, là, on le fait quand? Oula. Ah bon, ça va, il fait pas très mal. Hypnose, hein. Il rate l'attaque. Hypnose, cousin. Arrête de rater tes hypnoses, fils de pute. Il rate 3 hypnoses d'affilée, mais nique ta grand-mère. 4 hypnoses d'affilée, mais nique ta mère, sérieux. Comment ça me rend fou dans le jeu quand ça rate des attaques 5-6 fois d'affilée, gros. Ça rend fou. Allez. Voilà, merci. Allez, je garde une dernière hyper. Je suis superstitieux, on va envoyer des Super Bowls en attendant. Allez. Le dieu des Pokémon, Arceus, les amis. On essaye, hein. Fais étonnement, mais pourquoi je ferais étonnement? Foutez-moi la paix. Allez. Double rotation, peut-être? Oh, dommage, une rotation. Arceus m'a laissé une rotation. Son kit, ça se voit, il y a des trucs super toxiques. C'est bon, allume-lui ça, Daron, on essaye. Pour enlever un peu d'HP, mais une fois qu'il est dans le rouge, il est dans le rouge, ça sert à rien d'insister. T'as pas plus de capture en lui enlevant un peu genre de trucs. Allez. Gravité. Allez, on retourne rompiche, connard. Il fait que de ronfler, frère. Genre, il se réveille, il dit « Putain, mais je suis encore dans ce combat !» Il est là encore là, essayer de me capturer. Il en peut plus, Arceus, frère. Allez. Oh putain, il y a que des une rotation, il y a pas la deuxième, la troisième. Allez, petit kiff. J'aurais envoyé 20 balls quand même, hein. Enfin 20 balls, 17 ou 18. Mais 17 ou 18, c'est pas énorme non plus. Ah, de toute façon, étonnement, je comptais pas le mettre. Allez, il nous reste 3 balls, mais je pense que c'est mort, hein. Allez. Come on. Here we go! Vite! Pour la dinguerie! Incroyable! Frère! Le roi! Avec une Super Bowl! 320 kilos! Oh la dinguerie, mon gars! Oh le GOAT! Oh le GOAT!
croyais plus, j'y croyais plus. Let's go. On a eu Arceus, mon gars. Bon, j'ai dit que je l'avais pas utilisé. Allez, hop, dans la team, vite. J'ai menti. Oh, je suis mort. Oh, la chatte, sérieux. Oh, apparemment, il y a des Arceus dans le coin. Portail Safari. Ah ouais, je pense qu'il n'y a plus rien d'intéressant à faire ici. Avec une Super Bowl, mon dieu. Une grosse Super Bowl, incroyable, sérieux. Incroyable. On va le chercher, hein. Ah oui, d'abord on va save, hein. Sait-on jamais. Save state has, hop, ici. Et on va save state has dans l'autre fichier. Voilà. Voilà, Arceus est entériné, hein. Le dieu à tes ordres. Non mais en vrai, je vais le porter avec moi, mais je pense que je vais pas l'utiliser. Je suis très sérieux, hein. Je pense que je vais pas l'utiliser. Je suis très sérieux, je pense que ce serait trop facile avec lui. Après, je vais quand même le prendre dans la team, tu vois, parce que je suis obligé. Mais si je l'utilise, je vais éclater tout le monde trop facile, non? Oh là là, il est là. Il est là. Déplacé. Dans mon équipe, à la place de Ariama l'immonde. Garde-le pour tank. Ouais, ouais, ouais. Bibi joue bien avec Dialga. Ouais, Bibi s'en bat les couilles, mais... Frère. Hop, attends. Bonne endurance. Malin de nature. Attends. Attends. Point d'XP 10 000. Comment ça 10 000? Niveau suivant 1576. Ok, ça va, c'est pas si énorme. Punition, gravité, don naturel avant d'attaquer. Grâce à ses forces, grâce à sa baie. Elle détermine le type et la puissance. Ok. Plus l'ennemi a utilisé des augmentations de stats et plus cette capacité est puissante. Ok. La gravité augmente pendant 5 heures, ce qui empêche les capacités volantes et annule l'évitation. Des éruptions volcaniques ont lieu sous l'ennemi, peut aussi baisser la défense P. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Incroyable de tomber sur Arceus. Hein. Ça veut dire qu'il est dans cette zone par contre, tu vois. Ça veut dire que là, je pourrais retomber sur lui. Concrètement, ça veut dire qu'il y a moyen que, par exemple... Bah après, le taux doit être ridicule, mais il y a moyen de retomber sur lui, tu vois. D'après un calculateur de taux de capture en prenant en compte CPV, la balle utilisée, le sommeil, tu as 2,56% de chance. Bah 2,6, mon gars. Ah, on est bien, hein. Ah, je connais même pas son type à cet affreux là. C'est quoi le type du Pokémon en face là? On va mettre tranchère pour voir. Mets-lui une plaque. Mais c'est quoi une plaque? Je sais même pas c'est quoi une plaque, mon gars. Pas mal pour XP cette zone. Ouais, pas mal. Ah, c'est poison lui. Ok, d'accord. On va faire vol. Hop. On va XP un petit peu dans cette zone. Après, on va continuer l'histoire. Hein. C'est ce qui change de type, la plaque. Ouais, ouais, mais la plaque, je la trouve. Vous me dites la plaque. Moi, je veux bien, mais... What is the plaque? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? Après, faut que j'aille reprendre des Pokéballs aussi. Ouais, ouais, mais ça se trouve où, plutôt? Voilà, j'ai compris que ça changeait son type, hein, machin. Y a pas de problème, les mecs. Vous inquiétez pas, je sais lire. C'est plutôt, c'est quel type, quoi. Hop, on va faire ballon, moi. Ballon dans la mer de Rhinocorne. Putain, mais c'est propre en vrai pour dégommer, pour XP un petit peu cette zone. Tu réalises des plaques de Johto? Bah ouais, parce que moi je connais pas du tout les plaques, je sais pas du tout où elles se trouvent, je sais pas frère. Moi je connais les ralentis queues et puis c'est tout, tu sais. Moi j'ai chopé le ralenti queue, je suis là. Imagine ceux qui viennent de venir et qui ont raté la capture de Arceus quand même. Hein. Imaginez, hein. Ce Pokémon c'est le grand terrassement, bien sûr, frérot. Je dirais même, ce Pokémon, c'est pas des LOL. Une plaque psy, ouais, une... Oh bah tiens, regardez. Il est de retour. Il est de retour. The God of Pokémon. The Pokémon God. Ah, il a utilisé gravité, frère. Je peux plus faire vol. La flemme. La flemme, c'est bon, je l'ai capturé déjà. Hop. Je viens d'arriver, j'entends ça, bah ouais, 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 les mecs. Vous avez raté ça. La flemme, il va être trop loin à tuer et tout. C'est random Nuzlocke, mon mode, c'est pour ça que je peux tomber sur des légendaires. En tout cas, vraiment, ce let's play, qui se rappelle quand...
le premier pêcheur là, avec Régigigas, il m'a wipe toute ma team. Vous en rappelez? Vous en rappelez ou pas? Regard noir, c'est pas de la merde. Ça fait quoi déjà, regard noir? Pretty Fur, il devient incapable de s'enfuir. Oh, c'est pas super intéressant, non? Tu t'es fait wipe? Bien sûr, je me suis déjà fait wipe, mon gars. Bien sûr. Ça, c'est intéressant pour Raikou et tout, mais vas-y, la flemme. Franchement, la flemme. La flemme pour regard noir. Hop, 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 hop. Ouais, les starters étaient random, tout était... Mais putain, mais elle est ouf, cette zone? Vous avez vu dans la zone? Rhinocorn, Melocric. Oh, après-midi, les 5 abonnements, j'ai déjà lui dans le chat, merci mon gars. Dans la même zone, il y a Vibranymph, il y a Rhinocorn, il y a Arceus, il y a Melocric. Putain, c'est une bête de zone. Sur ce, je retourne boire, je suis atomisé, oh, je suis mort. Le mec est complètement alcoolique, putain. Oh, Sonic Boom, fais attention. Mais pourquoi je fais que de rater mes... Je fais que de rater ses attaques, frère. Ballon. Voilà, let's go. Allez, c'est bon. On va bouger de cette zone, on va continuer. Juste avant, on va faire un petit switch. On va mettre BMS en premier. Je sais plus où est-ce qu'on chope le multi-exp, parce que je suis déjà quand même à 5 badges. Ce serait temps de me le donner maintenant, mesdames et messieurs du jeu. Non, mais tu sais que je sais plus où est la suite du jeu. Genre là, attends, là c'est le safari, là c'est Chenal. Ah oui, bah oui, faut que j'aille là. Faut que j'aille à Akajou. Donc je pense qu'il faut que je retourne à Rosalia et que je prenne à droite. On va retourner à Rosalia, on va aller à droite. Faut le voir, le capitaine de l'Aquaria pour les plaques. Ok, et ça se chope où, ce monsieur? Après Véliator Rouge? Ok, ok. Après le Léviator Rouge, et ben on va avoir le multi-ex et je le donnerai à Arceus. À droite de Rosalia, calme. Attends juste, je vais aller choper des balls. Attends, j'espère que ici je peux choper des hyperballs. Merci après-midi pour l'abonnement niveau 1 encore offert, ça fait super plaisir mec. Merci, merci. Doum, doum, doum. Acheter, hyperball, parfait. On va en racheter, hein, on se refait un petit stock. Une petite dizaine. Oh les cœurs, ça fait plaisir. Une petite dizaine de Super Bowl aussi. Voilà, comme ça on est bien. Voilà. 20-20, menace fantôme. Je veux la continentale. Et la fantôme pétasse. Voilà, c'est quelqu'un qui l'a dit, c'est pas moi. Pardon. J'ai vraiment roté, je suis un porc. J'espère que la capture d'Arceus sera dans un best-of, bien sûr, frère. Je suis obligé. Je suis obligé. La capture d'Arceus, c'est dans le best-of. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, lui, je l'avais déjà croisé à l'époque. Doum, 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 doum. Hop là. Griffombre, ça tabasse? Ok, ok. Merci, Amoninho, mon gars. Je crois qu'il faut que j'aille là, non? Je crois, si je peux le baisser, il faut que j'aille dans cette grotte. Ou que je continue à droite. Je sais plus. Je sais plus. J'ai juste à prendre force à Ariyama. Surf, ça va plus vite. Après, ouais, mais moi, je veux XP et tout, tu vois. Attends, force. Force, c'est une bonne CS en plus. Ça peut être intéressant de la prendre. Ça peut être intéressant de la prendre à Ascarino. Je vais prendre Ascarino, force. Aquaria, c'est à Olivia, ouais, je ferai plus tard alors. La force. À droite vers Akajou. Ok, ok. Attends, juste faire ce mont là, vite fait. C'est que si c'est full Pokémon de merde à la Delcati, bon. On va pas y passer longtemps, quoi. Je sais même plus ce qu'il y a dans ce mont. Attends. Je vais mettre un maxi repousse histoire qu'on évite de trop me casser les couilles. Ah, tare énorme! Mon tare énorme immense avec son gros pifard sa mère là. Vous en rappelez? Vous en rappelez de mon gros tare énorme? On l'a jamais vu. Jean Messia. Oh, je suis mort. C'est vrai qu'il ressemble à Jean Messia en vrai. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance avec Jean Messia. Vous êtes des bâtards. Alors, attends. On va mettre petit. Hop. Petit max repousse. Histoire de pouvoir avancer un peu. Vous nous pompez l'air, les fils d'up. La, 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 la. Ouais. Hop, hop. C'est bon, on avance tranquillement.
Doum, 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 doum. Je sais même plus ce qu'il faut faire dans ce monde, pour être honnête. Juste j'avance. Vas-y, frérot, après-midi, bonne picole, hein. Et reviens souvent quand t'as bu, hein. Le mec, il vient dans mon chat, il offre des subs, quel frère. Faut picoler plus souvent, hein. Envoyez les subs. Allez, let's go. Putain, mais vraiment, la connexion Tarinorme Jean Messia, c'est la connexion de l'année, hein. Parce qu'il lui ressemble vraiment, en plus. C'est ça, le pire. Ça, c'est même pas genre en mode bizarre, tu vois. C'est un labyrinthe pour XP, ce monde. Let's go. Bah, vas-y, je suis chaud pour XP avant de continuer. On va XP fort. On va XP fort. Oh là là, des gros Nido King niveau 19 qui vont se prendre un coup de surf dans leur mer. Ah, genre, sur Rank Modo, ça va faire péter les subs à tout va, je suis mort. Grosse soirée modératrice. Bah, gaulerie de ouf. Hop là. 800 d'XP, on est bien. De toute façon, moi je l'ai dit, quand le coronavirus nous aura foutu la paix, je vais privatiser un bar sur Lyon, je vous invite tous. Je vais inviter tout le monde. Tous les viewers, tous les gens qui ont envie de venir. On se la donne tous ensemble. Ok, bon, je pense que j'ai un peu fait le tour là-bas. Effet de repousse, c'est d'ici. Vas-y, on va en remettre un. On l'a pas acheté pour rien. Hop là. Trop lourd, ouais, bien sûr. Ça va aller dans le bar, ça va dire coucou. Je veux accueillir de sombres personnes avides d'alcool. Ça va très bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein. Hop là. Surf, let's go. Je prends le premier train. Je vous tiendrai au courant des modalités. J'attends que le vaccin Pfizer me rentre dans les veines avant de faire ça. 411 d'XP, au calme. Hop là. Célesta, répondons à Célesta. Coucou Célesta. Elle m'a vraiment appelé pour dire rien d'intéressant. Je me fais vacciner dans une semaine, et bah écoute. Force à toi mon gars. J'espère que ça va bien se passer et que tu mesures la chance que t'as pour l'instant. On est beaucoup à vouloir être à ta place. Et beaucoup à ne pas vouloir, mais bon, c'est une autre question. Petit rappel, au calme. Je refais Earth Gold, parce que même si j'avais déjà fait l'aventure, je l'avais pas fait en random nuzlocke, alors que là, je l'ai fait en random nuzlocke, donc ça change un petit peu la donne. De retour après le spoil de cet après-midi, le mec qui a spoilé cet après-midi, c'est vraiment un fils de pute. Tu sais que Maïna, elle est dégoûtée d'avoir été spoil de SNK cet après-midi sur mon chat. Vraiment, ça lui a fait mal. Genre ça l'a frappé, ça l'a touché. Genre ça l'a touché au plus profond de son être. Elle m'a fait trop de la peine, vraiment. Et après j'ai parlé de ah, dans ton chat, c'est des bâtards, ils vont spoil. On a passé des heures et des heures de SNK, c'était nos dimanches et tout ça, machin. On regardait toujours SNK, on prenait trop de plaisir à le faire. Là, la pauvre. Elle s'est fait spoil, ça l'a dégoûté. Je crois que j'ai fait toute la zone, non? Il a spoil quoi? Il a spoil le dernier chapitre, je crois. C'est quoi le spoil sans le dire? Non, 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 personne dit le spoil. Vous êtes banni direct, c'est simple. Faites pas les fils de pute. Faites pas les bâtards. Ok. On reste cool entre nous. On trouve des petites pépites à vendre, c'est énervé. Hein. Des années pour un spoil, mais c'est vraiment des chiens, les mecs. Changeons de sujet. Parlons de BMS. Il est en place, BMS. BMS. No mo. Ça va, on rigole. Hop. Allez, on va sortir côté droit. Doum 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 doum. Ah, en fait, fallait juste que je fasse surf en fait. Lui, il donne pas une canne tarlée ouf lui. Ah non, lui, il veut juste la bagarre lui. Non, ah, là, j'ai honte, mais c'est vrai que j'ai pas écouté le. Enfin, pas j'ai honte parce que c'est pas honteux, mais j'ai pas encore écouté le dernier album de Booba. Alors, j'ai vu des gens dire qu'il était très bien, des gens dire qu'il était à chier.
Moi, je l'écouterai, je vais prendre le temps demain, un truc comme ça, mais je l'ai pas écouté. Alors que j'aime bien Booba, j'aime bien. Enfin, j'aime pas le personnage, mais j'aime bien la musique. Hop. Oh, la défense et la défense P, mon gars. Regardez un peu les stats, là. Y a pas mal, mais y a pas mal, y a aucun son vraiment claqué. Ok, d'accord, bah j'écouterai. J'écouterai. Il a fait mieux, il a fait pire aussi. Ok. Hop là, au calme. Je sais qu'il y a celui qu'une dans le coin, je vais juste aller faire un petit coup de surf, vite fait. Il veut pas lâcher mes couilles, lui. Hein. Il veut pas lâcher mes couilles, lui. Hein. Il s'est enfui endormi? Mais frère, tu dors, comment t'es parti? Mais on est où, là? Cousin, tu dors, tu n'es pas censé t'enfuir. Oh, il y a Suikin juste là. Ok, coucou. On va prendre coupe à quelqu'un. Mais attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, le mec, je l'ai endormi, il est censé ronfler. Et puis, non, il est parti. Je suis mort. Putain. Attends, faut que j'aille prendre Ariyama. Alors, vite fait, on va faire... Après, Suicune, c'est pas grave si je vais pas lui dire bonjour là. Je m'en bats les couilles. Vas-y, on va continuer. J'irai faire bonjour plus tard. Hop là. Attends. Voilà, donne-moi potion max, parfait. Tu te rappelles quand tu pouvais donner regard noir à Espoir? Non, parce que je m'en bats les couilles en fait de capturer Raikou et l'autre. Je m'en fous. Genre, ça me chauffe pas. Mais c'est vrai que regard noir, ça aurait été intéressant. Mais c'est encore plus intéressant d'aller choper Kulbutoke, tu vois. T'es là, tu chopes Kulbutoke, t'es bien. Doum, 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 doum. Oh là, des petits masques au niveau 17. J'arrive avec 15 niveaux de plus, mais c'est quoi cette zone? Genre, je suis dans la zone de la continuité de l'histoire et les mecs sont quand même niveau aussi bas. Ça m'étonne quand même. Boum. Allez, ça dégage. Oh. Bon, ça quand même ramène un peu d'XP quand même, mais c'est pas la folie. Quatox. Je sais même pas c'est quoi Quatox, frère. Vas-y, j'ai envoyé Here We Go dans le doute. Oh là, il est moche, lui. Oh, ce qu'il est moche. Ah, c'est avant Karchakrok, ça. J'aurais pu y aller avant le quatrième badge, ok, d'accord. Oh, petite provoque, là. C'est un vive attaque dans ta mère. Dégage, monsieur. Poison combat. Vous entendez le bruit? Ça me fume, le bruit. Le bruit me brûle. Enfin, par contre, j'ai pas fait cette zone. J'ai pas capturé ici, donc il y a une petite capture à faire, là. Petite capture à faire. Profitons de la petite capture. On se met bien. Oh, des Magikarp, mon gars. Oh là là là. Des Magikarp. BMS, il est capable de rater 50 attaques d'affilée, frère. Faut encore être Raikou. Non, ça va pas être Raikou. Fuck Raikou. Fuck Raikou. Morpheo, allez, vite, envoie-moi tes Pokémon dégueulasses, surf, allez, ça dégage. Tac, désolé, j'accélère parce que j'ai trop. Spectrum, allez, c'est pareil, Spectrum. Même tarif, hop là, allez, ça dégage. Cool. Hop là. Allez. On va capturer un coup, ici. Attends, mais j'ai un max repousse, je crois. Je crois que j'ai un max repousse. Voilà, allez. Doum, 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 doum. Ouais, tabasse ta mère, sérieux. Je veux même pas le capturer, frère. Doum, 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 doum. Nul à chier, non, il est pire que nul à chier, mon gars. Oh, quelle ronflade. Quelle ronflade. Ah oui, les gars. Vraie question. Vraie question. Il est où déjà le machin là? Le
Le... Je suis complètement con. La pension. Oh là là, je suis débile. La pension, elle est vers où déjà? Oh, qu'est-ce que je suis bête, sérieux? Vite, 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 la pension. S'il vous plaît. Genre, dites-moi, elle est où, la pension? Que je puisse... en bas de Doublonville. Doublonville, ok. En fait, j'avais posé Pingoléon à la pension. Ouais, j'ai pu récupérer ma save grâce à mon Nino. On va amener Pingoléon à la pension. Déplacer Pokémon, hop. Pingoléon, parce que j'ai déjà posé des mecs, en fait, à la pension. J'ai déjà posé des Trizos. Attends, on va aussi poser... Personne, on va voir là-bas. Hop là. Doum, 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 doum. Hop là. Doum, doum, doum. Oh, y'a la police qui vient me casser les couilles, là. Je suis mort, t'as même... Putain, des gros aspicots qui vont se prendre serre dans leur mère. Allez, ça dégage. Allez. On va aller mettre Pingoléon, ou Pingoléon, ou je sais pas comment vous dites, à la pension. Ah, mais non, mais je suis con. C'est vrai que le modo a refait la save, donc du coup, il a pas mis les mecs... Ouais, c'est logique. C'est vrai que j'avais mis des Pokémon, j'en avais mis deux à la pension. Alors, tiens, on va mettre Primplouf, hein. Primplouf Zer, allez, amuse-toi, cousin. Fais-toi kiffer, hein. Je leur laisse Arceus. Ouais, mais il va pas penser, frère. T'excuses pas, t'as déjà fait des travaux monstrueux, gros. Tu vas pas t'excuser pour ça, hein. C'est R. Je prends pas l'œuf, non, parce que je m'en bats les couilles de l'œuf. Si c'est pour avoir Togepi niveau 1, je préfère encore... J'allais dire, je préfère encore bouffer ma merde, mais je me rends compte que c'est pas pertinent, donc je ferme ma gueule. Silence, Zach. Alors, retirer. Ariyama, l'ignoble, à qui on va apprendre des trucs ignobles. On est bien. Arceus à la pension, pas une mauvaise idée, frérot. Ils vont lui apprendre de la merde. Je vais revenir. Arceus, le dieu des Pokémon, ils lui auront appris Mimikyu. Et c'est à ce moment-là que vraiment, je vais pleurer. C'est à ce moment-là où je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. T'as chopé Arceus? Oui, oui, j'ai Arceus. Arceus ou Arceus, je sais pas comment vous dites, mais... Oui, oui, j'ai chopé Arceus, t'es bien renseigné, toi. Ils vendent des petits champis. Ceux qui ont raté ça, vous avez raté un grand moment de sport. Attends, est-ce que je peux vendre mes pépites chez lui, là? Allez, c'est un connard. Hop là. Mais bon, ceux qui étaient pas là quand j'ai chopé le dieu avec une Super Bowl, vous avez raté quelque chose. You had to be there. Eh oui, fallait être là. Et ouais, les mecs, vous ratez des dingueries. Allez, on va voir en haut. Dites-moi que c'est des dresseurs un peu plus robustes. Ah, la super en plus, ouais, bah j'avais pas le choix, il voulait pas rentrer dans les hyper. Putain, mais pourquoi est-ce que dans cette zone, alors que c'est censé être une zone de fin, machin, je sais pas quoi, enfin, avancé, je tombe sur des mecs Pokémon niveau 18, cousin. C'est horrible. Clip, please, bah vous allez sur mon Discord, donc faites pour l'exclamation de Discord, il y a une section clip et vous pouvez avoir un clip. Oh là là, il va me paralyser, je te parie qu'il me paralysait. Oui, parce que Posipi, fils de pute, fait que de paralyser toujours. Chien de Posipi de merde. Je sais plus du tout ce que Vasilis fait, mais je crois qu'il est horrible. Casse-brique pour Vasilis. Ils sont tous éclatés, les dresseurs vers ici. Putain, je suis abattu, frère. Roche plante, ouais, je savais pas, je croyais que c'était sol, un truc comme ça, bon. 766 d'XP, on mange. On mange. Surcoté Arceus, oui, oui, très surcoté. Avant que je le capture, ça aurait été, oh my god, Arceus, t'as allé ouf. Maintenant que je l'ai capturé, c'est ouais, un peu surcoté, ça. Hein. Bulle d'eau, ça le tue pas, non. Là, c'est une nouvelle zone, je peux capturer. Mais jure, la vie de ta mère, je tape un crit sur ça. Bon, c'est pas grave.
Je pensais que Buldo, ça le tuerait pas. C'est vrai que ce jeu-là, niveau XP, c'est une de ses déchets, mon gars. C'est une Hesse très avancée. Hein. Ouais, LRB demande en Radio Street. Ouais. Mais là, on va éclater un peu les gens. L'avantage d'Arceus pour la Ligue, c'est qu'il me servira à tanker et à heal les autres. Vu qu'il sert qu'à ça, le Pokémon mes couilles, là. Merde, Casse-Brick, ça l'affecte pas. Bah, Aéropic, alors. Ça fait mal, son attaque ombre portée à branlette, là. Hop là, Aéropic. Soumarey, hey, Brian Soumarey, mon gars sûr. On est devenus meilleurs potes. Là, on s'écrit en DM, etc. Dans la semaine, quand on ira en League Cold War avec lui, faudra pas dire bip. Hein. Alors, sac, on va se heal vite fait. Super potion pour Monsieur Scarino. Potion normale pour l'autre Trise. Voilà, on va mettre un anti-para, comme ça il est au calme. On va les XP les deux. Est-ce que j'ai eu peur de Sochaux? Franchement, la moitié du match, je l'ai regardé en roupillant, donc franchement, pour être honnête, j'ai pas eu trop peur. C'est un Nuzlocke. Hop. Let's go, super efficace, Charmillon, ça dégage. Niveau 31! Doudoudoudoum. Tente d'apprendre Bélier. Gardez les anciennes capacités, je veux pas apprendre Bélier. Fous-moi la paix. Brian Dantmoon, j'ai regardé un peu. J'ai regardé d'un œil, j'ai regardé la première mi-temps d'un œil. J'ai pas regardé la fin. Ça avait l'air d'être un bon match. Ça faisait trop longtemps que le football nous avait pas gratifié d'un bon match. Le football en ce moment était sacrément à chier. Voilà. Il convient de rappeler ce fait. C'est un match de ouf. Bah ouais, ça m'étonne pas. Même le Brighton-Leicester était pas mal, ouais. Bon, Brighton-Leicester, c'est... Hipster. Ouais, franchement, Brighton-Leicester, pas mal. C'était un match, ça joue au football. Hipster. Demain, il y a United City. Bah, tu vois, United City, je te jure que ça va être à chier. Vraiment, les Manchester United City, les Manchester United Chelsea, des bails comme ça, depuis quelques saisons, ça pue du cul les trois quarts du temps. Il n'y a que celui du début de la saison dernière, le United explose Chelsea, c'était drôle, mais sinon, vraiment, United City, vraiment, je fais le pari que ça va être à chier. Ça va finir en 0-0, ça va finir en 1-0, 1-0 tout sec, 1-1 dégueulasse. Vraiment, je te jure, les grosses affiches de PL en ce moment, ça pue du fiacos, gros. Attends, je viens de me faire racketter, là. Mais je viens de me faire racketter. Je viens de me faire racketter, je suis mort. Vraiment, je me suis fait racketter, je suis mort. Des Pokémon décédés sur cette session, il y a Scarino qui a tanké à 1 PV sur un crit. Sur le reste, non, il y a personne qui est décédé. Les gros entre eux, ils prennent trop de pincettes pendant les matchs. Mais le truc, c'est que la Liga, c'est devenu un peu à chier. C'est beaucoup moins bien qu'avant. La Bundes, c'est cool. Mais la PL, il y a trop de matchs à chier ces derniers temps. C'est horrible. Surtout les grosses rencontres. C'est les Tottenham X, des bails comme ça, frère. C'est très, très souvent très, très nul. Souvent, vraiment, des matchs à se gerber dessus. Oh là là, gros Kaimorse comme ça. L'absence de public. Non, c'est pas que l'absence de public, parce que... Déjà, les dernières saisons, la PL, il y avait des matchs comme ça, même avec du public, c'était naze. Genre, franchement, le classique du match vraiment naze, alors qu'il est full IP, c'est Liverpool-United. Oh, Liverpool-United, ces dernières saisons, la vie de ma mère. Genre, je pense que 3 matchs sur 4, 3 Liverpool-United sur 4, ça pue du cul, gros. Sincèrement. Oh, vraiment, Liverpool-United, l'enfer. Les matchs tous les 3 jours, ouais. Par contre, les matchs tous les 3 jours, je suis sûr que ça joue, ouais. Je pense. Je suis d'accord avec toi. Les matchs tous les 3 jours, le rythme, ça aide pas. Alors, lac colère, on est au lac ZF, les mecs.
Liverpool City, c'est lourd. Ouais, Liverpool City, c'est souvent lourd, c'est vrai. Mais vraiment, les Liverpool United, ces derniers temps, c'était vraiment devenu des matchs à chier. Il est capturable, le Léviator, on est d'accord. Dans mes souvenirs, il l'est. Juste avant d'aller le voir, je vais regarder ici s'il n'y a pas un truc à choper. Coucou, monsieur. Ah, il est chopable, ok. Tant mieux. Eh ben, écoute. Nouvelle zone. Gal est kid. Bon, enfin, Gal est bon pour une nouvelle zone, c'est pas dégueu. Par contre, il est que niveau 11, mais... Enfin, vas-y, on va essayer là. Ouais, j'ai pas beaucoup de balles, en fait. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de balles. Le souci, c'est que j'ai pas beaucoup de balles. On va envoyer... Attends, Harry a un résumé. Il a pas une petite attaque combat, un truc qui peut le... C'est le stimuler, quoi. Ah si, la cogne et corps perdu, vas-y, on va échanger. On va envoyer Ariyama pour essayer de le faire tomber un peu. On va mettre cogne dans sa mère. Attends, mais ça tape trois fois! Je pensais que cogne, ça tapait qu'une fois, frère. Fuck it. Fuck it. Pas de chance. J'ai été bête. J'aurais dû le savoir. File, save state has. Dommage. Ouais, non, mais j'ai été bête qu'on se le dise. Zach vous autorise à dire qu'il est con. Et là, dans le chat, Zach, t'es con. Ah, t'es con. Ah, bah ouais, frère. Alors. Je pense qu'on va commencer le fight avec ce grand monsieur espoir et on switchera sur BMS. Merde. Il est niveau 30. Ouais, 30, ça rigole pas, hein. 30, il va me faire mal, hein. J'ai hypnose avec le frérot BMS. Ça va, ça devrait aider un petit peu. Hop. T'as le droit de le capturer, après j'aurais pas le droit. Aucune raison. Oh, après-midi! Merci pour l'abonnement niveau 1, frérot. Merci énormément. Non, il est pas random. Si, je suis en Nuzlocke. Ah, mais oui, ok. Alors, ok, d'accord. Pour vous, il compte en premier Pokémon de la zone, là? Enfin, il compte dans un Pokémon... Quand un Pokémon, pas de la zone, je sais pas quoi. Alors, je suis désolé, c'est un Pokémon à rencontrer, c'est un Pokémon un peu événement, je le compte pas comme tel, perso. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est comme si genre je vais dans... Oula. C'est comme si je vais dans une grotte pour choper, je dis une grosse connerie, Groudon, et genre dans la même pièce, je croise un Osferapti. Bon, je le compte pas. Par contre, ouvre vos yeux, allez, il fait mal. Attends, on va switcher, parce que Dracorage, là, machin, ça fait mal. Les règles sont les règles. Ouais, mais après, tu vois, je trouve que les Pokémon fixes rentrent pas dans le carcan zone, en fait. En Bulldo pour essayer de vraiment le mettre dans le rouge. Ça le finit pas. Ça le finit pas, c'est nickel. Hypnose. Parfait. Après, je le capture, mais je vais pas l'utiliser. Il va aller dans le PC, tu vois. Juste si, voilà, si je me fais wipe là, mais bon, de toute façon, je vais pas l'utiliser. Allez. First try. C'est bon, il va aller dans le PC et on en reste là. Hop. Voilà. Pour l'histoire, ça a été fait, on est bien. Grosse écaille rouge, on est bien. Allez, on se casse. Wesh, Turpi. J'ai dit wesh, Turpi. Oui, je vais te prêter main fort, Peter. Allez, on repart. Tu pourrais le jouer? Non, je vais pas jouer Léviator. J'ai déjà Tartar, on est bien, j'ai BMS mon gars. Ça me suffit amplement. On l'a one shot en plus, on est bien. Peter qui balance des gros ultra laser sur un être humain, mais je reconnais ça, c'est le roi du monde, Peter. Ultra laser des êtres humains, frère. Et pour vous, c'est pas le maître du jeu, Peter? Alors qu'il est ultra laser des êtres humains. C'est le roi du monde, frère. Hop, alors. Save state has.
Là, vous avez vu, je save dans deux endroits différents, comme ça, il n'y a pas de nouvelle gogolerie, là. Allez, let's go. Go boutique de souvenirs et on va... Oh là là. Ça, ultra laser des pauvres karatéka, mon gars. Bonjour, monsieur. C'est les impôts. Toc, toc. Il s'est enlevé vite. Allez, let's go. Repère roquette. Ah oui, ça va être l'enfer avec les persians et tout. Oh l'enfer. Oh, me dites pas que ça va être des ratatas niveau 10. Ah, après là, c'est du random, ce sera pas des ratatas, mais... Vas-y, frère. Oh, des niveaux 17. Oh l'enfer. Oh, des niveaux 17 horribles. Deux sbires pour chaque persian. Oh là là là. Bah, je suis désolé les mecs, je vais me permettre d'accélérer un peu ça quand nécessaire. On va mettre balle ombre. Voilà, on va speed un peu ça, voilà, regardez, tranquille. Pour rendre ça un peu digeste, voilà, tu vois, on speed un peu. Hop, voilà, c'est Salem. Quoi, c'est deux? C'est deux... Ah, c'est vrai que t'avais dit deux sbires pour chaque persian. Putain, mes frères, ça envoie des tirs nocifs comme en 44. Attention, frère. Trancher. Pas autant de différence de niveau parce que c'est mal foutu dans le jeu. Oh, oh là. Parce que c'est mal foutu dans le jeu, donc du coup ils ont pas fait des sbires assez forts. Très mal branlé. Oh là. C'est mal hein. Morsure peut-être. Mais ça, y a rien d'efficace avec lui. Morsure. Allez, quasi KO. Oh. Oh la dinguerie. Je viens de perdre mon ostenfer sur un tyrannocif qui a 15 niveaux de moins. Oh, je suis dégoûté, sérieux. Ah frère, je critique, je contrôle pas les crits, hein. Oh mon dieu, il m'a tabassé ma mère et lui, le Kabuto, il vole, frère. Oh là 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 là, la crime, mon gars. Ah bah j'y peux rien, les gars. Roche et ténèbres, frère, je pensais pouvoir le finir, je pensais pas que j'allais en canner, mon gars. Oh, le cri des enfers. Je suis dégoûté, sérieux. Oh, je suis deg. J'aimais tellement mon gars, là. Oh là 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 là. Putain. Il s'est fait soulever sa mère. J'ai mal joué, mais je m'attendais pas à ce qu'il me crit. Je m'attendais pas à ce qu'il m'envoie un crit des ténèbres comme ça. Bah écoutez, pas de chance, hein. Pas de chance, hein. Tant pis. On avance, hein. Par contre, j'ai plus vol. On apprend vol à qui? J'ai étour vol dans le PC, mais mon étour vol, je fais tarpentier. Putain, le crit de merde que je me prends. Je suis dégoûté. Bah, écoutez, on va jouer Arceus, hein. Oh, le Nostenfer, ça me fait trop du mal l'avoir perdu. Vraiment, j'ai mis de l'amour et tout pour le... J'ai mis de l'amour pour le faire évoluer. Oh là là. Oh, je suis dégoûté. Attends, on va retourner en arrière. On n'a rien vu. Ah ouais, on n'a rien vu, les mecs. Hein. Nostenfer, il a juste un petit coup de mou, là, c'est tranquille, on va... Voilà, tu vois, au calme. Petit coup de mou, voilà, regarde, on va se heal. Et tout rentrera dans l'ordre. Regardez! Bah voilà! Regarde! Bah voilà! Bah il... Ah, vous voyez bien qu'il est pas mort! Il baille à s'en décrocher la mâchoire. Allez, c'est bon, va dans le PC, connard. Il m'a dit il baille, putain. On va prendre le connard des tours vol. Il apprendra vol au moins. Oh, la team de tocards que j'ai, sérieux. Après, j'ai Arceus quand même. Hein.
C'est vrai qu'il y a toujours le parc safari pour un remplaçant, mais bon. Hop là. Un petit étouraptor à la place, ouais, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. On n'a rien vu, non, mais ça va, si vous avez vu. Étouraptor close combat, ça tabasse, ouais, ouais, ouais. Ouais loin de ma team. Après, on verra si j'ai pas le choix, peut-être que je montrerai tout et tout mes couilles. Oh, le persian partout, frère. Allez, c'est bon, arrêtez, nanana. Bon, maintenant, on va prendre ça au sérieux. Hein. On va prendre ça au sérieux. Hein. Là, maintenant, c'est bon, hein, frère. Je me ferai pas avoir deux fois par des tirades aussi. Putain. Oh, le crit des enfers que j'ai pris, mon gars. Appelle-le Etouari. Etouari, le frère. Je suis mort. Un gros Etouari. Etou rappel. Ah, ça peut le faire, hein. Franchement, ça peut le faire, hein. Je trouve qu'on est pas mal entre Etouari et Etou rappel. Je pense que vous tenez quelque chose, les mecs. Vous tenez quelque chose. Etou Raptor, c'est Toko et Kambi, ça peut servir, mais c'est dégueulasse. Enfin, mais l'analogie, elle est trop noire. Ah ouais, mais en plus, c'est-à-dire qu'ils vont tous avoir Tyrannosif live. Genre, là, le random fait qu'ils vont tous avoir Tyrannosif. Mais c'est une blague. Le random va me faire faire Tyrannosif à chaque fois. Faut l'enfer. Ah ouais, la VOD ira sur YouTube, comme d'hab. Hein. T'inquiète pas. Hein. Oh là 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 là. L'enfer. Allez, surf drone, monsieur Tyrannosif, ça dégage. Hein. Allez, ça dégage. Cette fois, on prend pas de risque. Hein. Les éboulements dans ma mère, j'ai compris ce que ça pouvait coûter. Hein. J'ai compris ce que ça pouvait coûter. Celui qui a dit « Et tout rapta, t'es... Et tout rapta... » Ouais, je suis mort. Et tout rapta, putain, trop drôle. Un petit et tout rapta, les mecs. Hop. Et tout rapta... C'est trop drôle, putain. Ça me brûle. Doum, 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 doum. Bon. Hop là. Les statues te surveillent. Ouais, bah écoute, je vais te baiser ta mère. Hein. Et tout Rashi. Non, et tout Rapta, c'était le plus drôle. Hop. Ok, bon. Écoutez, les amis, je vais être très, très, très honnête avec vous. Hop. Je suis assez fatigué.